D'abord, il faut apprendre le texte. Il faut apprendre le texte, c'est-à-dire le texte musical et le texte texte. Donc on arrive en répétition, normalement on sait tout ça déjà par cœur. Et le travail d'actrice, ben, ça se fait forcément avec les autres, on ne peut pas le faire tout seul. C'est comme jouer au ping-pong, vous ne pouvez pas jouer au ping-pong tout seul ou au tennis. Donc être acteur, c'est interagir avec les autres et réagir aux autres. Donc ça ne peut se faire que pendant les répétitions avec les autres. Moi, j'ai une devise qui est la même que celle de Winston Churchill, qui est « sport, never sport ». Je déteste le sport, je n'y arrive pas à en faire. J'aime beaucoup le yoga, en revanche, mais comme j'ai très mal au dos, je dois être très prudente. Et alors, ça va vous paraître bizarre, mais depuis un an et demi, je fais un peu de cheval. Alors, c'est bah, paraît-il, pas bon pour le dos du tout, mais je me dis que tant que je n'ai pas trouvé mon assiette... C'est normal que ça fasse un peu mal au dos, mais quand j'aurai trouvé, théoriquement, ça ne devrait plus me faire mal. Il n'y a pas de journée lambda. Il n'y a pas de journée lambda, parce que soit on est en vacances, soit on est c'est-à-dire entre deux représentations, soit on est en répétition, soit on est entre deux groupes d'opéra ou de concert, donc il n'y a aucune journée qui se ressemble. Celui que je rêve d'interpréter, c'est Lady Macbeth, il n'est pas pour ma voix, donc ça restera à l'état de rêve. Ça et Salomé, je ne peux pas les chanter. Donc celui que j'aime beaucoup, c'est Traviata, Manon, la fille du régiment, enfin voilà. Ah non, quelle horreur! Ah non, moi j'écoute pas de musique de toute façon, très très peu. Et la seule musique que j'écoute quand j'en écoute, c'est soit Bach, soit du jazz. Donc voilà. Et puis un peu de chansons françaises aussi. Mais j'écoute quasiment jamais de classiques. Sauf pour le travail. Moi j'adore le jazz et si j'avais eu la voix pour en faire, peut-être j'en aurais fait, je sais pas. Mais il faut d'autres qualités que je crois pas tout à fait avoir. Il faut être. Un musicien très 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 aguerri, avoir beaucoup beaucoup d'imagination, de liberté. Moi je suis essentiellement une interprète, plus qu'une créatrice j'allais dire. Donc j'aime bien quand tout est déjà écrit sur le papier. Déjà si on arrive à faire ce qui est écrit, ça prend toute une vie. Donc voilà, l'improvisation, moi j'admire énormément les gens qui peuvent improviser et se réapproprier des chansons, avoir des idées d'arrangement et tout ça, moi je suis pas assez forte pour ça.